Agreste Adrien. Là, il faut répondre présent. Présent. Bourgeois Chloé. Présente. Bruel Yvan. Présent. Non, lâche-moi, Yvan. C'est fini, je ne suis plus Yvan, je suis cœur de pierre. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour que nous soyons réunis pour toujours. Papa, le monstre, il est revenu. Toi. Allez, viens, on va les suivre. Non, vas-y toi, je préfère rester ici à l'abri. Mais viens, tu vas rater l'entrée en action de Ladybug. Toi et Ladybug, vous vous en sortirez mieux sans moi. Comme tu veux. Hé, t'oublies ton sac. C'est mon premier jour d'école et je dépasse même pas l'appel. Tu as la journée de libre, alors ça c'est une bonne nouvelle. Oh non, on a des devoirs à faire. Plague, transforme-moi. Tu n'as pas bien conscience de qui je suis. Mon père, c'est le maire de Paris. Il va faire intervenir la police, l'armée, bref, toute la cavalerie. N'oublions pas les super-héros. Désolée. Tu voulais dire les super incompétents. Ah, vous vouliez la cavalerie. Eh bien, la voilà. Attrapez-le. J'ai un message à faire passer. Ensuite, toi et moi, on sera ensemble pour toujours. Si je vous gêne, vous pouvez me déposer ici, hein? T'inquiète pas, petit monstre. Je vais aussi m'occuper de toi. Ladybug, si tu m'entends, je serai pas contre un coup de main. Qu'est-ce qu'elle attend? Lâche-moi, tas de cailloux! Au secours! J'ai besoin de Ladybug! Je savais que tu changerais d'avis! Eh bien, je suis toujours pas sûre d'être faite pour ça, mais Alia est en danger. Je peux pas rester là, les bras croisés. Ziggy, Lady, t'ai-je déjà dit à quel point je te trouve renversante? Ah, oh, t'es du genre blagueur, toi, pas vrai? Si, ça te dirait de prendre de la hauteur? Il faut vite qu'on s'en aille. Bah, on s'occupe pas d'eux? Non, si on veut tous les sauver, il y en a qu'un sur lequel on doit se concentrer. C'est celui-là.